Bonjour. Oui, vous voyez, les bouquets de mots sont tirés. J'avais commencé une vidéo, mais c'était l'enfer. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Je ne sais pas ce que j'ai, mais vous auriez rien compris à ma lecture. OK? Donc, je me calme. On est jeudi le 4 mai. Je vous souhaite un très beau jeudi. Oui, je ne sais pas si vous la voyez, ma chandelle. On voit pas bien, bien, hein? On voit pas qu'il y a une flamme, hein? D'ailleurs, pourquoi on voit pas la flamme à la caméra? En tout cas, moi, je la vois pas à la caméra, mais oups, ma chandelle est allumée. Bon, votre premier bouquet de mots, je vais le faire calmement. Oui, il y a des moments dans notre vie où fouiller dans notre boîte à outils est trop demandant émotionnellement et même physiquement. Il est plus facile de se laisser tomber lors de ces périodes de mal-être. C'est à ce moment que je puise dans mes réserves et que je dis un vrai oui à mon moi. Désolée, le temps passe. Je ne le gaspille pas à pleurer. La vie est précieuse et c'est important pour moi de la vivre. Je négocie avec moi-même. Oh. Le deuxième bouquet de mots pour le 4 mai. Je choisis volontairement de me donner la permission de réussir. Je suis prêt à m'investir dans ma propre vie avec tout ce que cela peut comporter. Je pratique le oui et le non lorsque cela est nécessaire. Je suis prudent dans mes attentes. J'ai de vrais rêves. Je reste dans la réalité pour ne pas tomber dans le monde de l'illusion. Je prends en charge mon incarnation car je suis responsable de moi. Je suis un conquérant. Et voilà pour le bouquet de mots du 4 mai. Moi, je vous laisse là-dessus et vous allez voir qu'il va y avoir une autre vidéo sur un autre sujet. Je vous l'ai dit que ma chaîne, c'était une chaîne pleine mail. Donc, ça va être un sujet personnel, mais qui va parler à plusieurs, qui peut être utile aussi pour plusieurs. OK? Sur ça, je vous souhaite une belle journée.